Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode numéro 3 d'UBR. Donc l'épisode numéro 2, les gars, est sorti sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien de l'épisode numéro 2, les gars, en première ligne de description. Donc pour ceux qui nous découvrent hein, sur ce projet, on peut dire. Donc en fait, on va parler de trois sujets d'actualité. Et on va se poser à chaque fois deux questions chacun. Hein. Donc il y aura quatre questions en tout sur chaque sujet. Donc déjà l'épisode numéro 3, les gars, aujourd'hui. Donc on va commencer avec le premier sujet, les gars. Donc on va commencer avec la lutte qu'il y a actuellement entre l'équipe du FC Barcelone et l'équipe du Real Madrid. Hein. Donc actuellement, les deux équipes sont au même nombre de points en Liga. Donc j'ai commencé à lui poser une question, bien sûr, à Robinho. Hein, vous pouvez vous abonner aussi à sa chaîne. Donc pour toi, tout simplement, la première question, qui va être champion d'Espagne? En fait, je m'étais déjà exprimé dans des FAQ, je crois, par rapport à ça. Et avant donc, la reprise du foot, moi, j'avais plutôt donné le Barça. J'ai l'impression quand même, depuis que ça a repris, que ça a un petit peu changé, surtout que je trouve que le Real Madrid est revenu très très fort. Ils ont récupéré donc quelques blessés de longue date et franchement on a vu dans beaucoup de déclarations qu'ils étaient extrêmement motivés pour bien terminer cette saison. Donc j'ai un peu changé d'avis maintenant, je vais donner un avantage au Real Madrid. Après bon, j'ai pas forcément le calendrier en tête des deux équipes. Mais je donne quand même un avantage au Real Madrid, même s'ils ont 2-3 grosses affiches jusqu'à la fin de saison. Enfin, grosses affiches, c'est pas non plus des grandes équipes, mais des équipes qui jouent un peu l'Europe quand même en Liga. Donc, avantage Real pour moi maintenant. Ouais, c'est vrai que même moi, je disais le Barça. Et là, j'ai trouvé, les gars, le calendrier. On peut voir que niveau FC Barcelone, il y a quand même l'Atlético Madrid au Camp Nou. Les gars, on sait que Madrid, c'est une équipe très compliquée à gérer. Il y a aussi, bon après je trouve que c'est quand même des équipes abordables, il y a peut-être Villarreal aussi, où ça va être compliqué pour l'équipe du Barça, alors que le Real Madrid, il y a juste un déplacement quand même à Bilbao qui va être compliqué, et là-bas on sait que c'est très compliqué, mais pour moi le calendrier est quand même plus en faveur pour l'équipe du Real Madrid, et vraiment aussi pour répondre à cette question que je t'ai posée. Maintenant je vois quand même plus le Real Madrid hein, qui a pris quand même cet ascendant, mais bon voilà, tout peut arriver bien sûr dans ce championnat espagnol. Ma première question pour toi sur ce sujet, c'est à qui a profité donc cet arrêt du football? Moi, j'ai vraiment ma petite idée sur la réponse. Bah donc tu en as un petit peu répondu lors de la première question. Et je suis du même avis que toi. Hein. C'est vrai que le Real Madrid, ça a fait beaucoup de bien cette coupure. Et j'en avais parlé, les gars. J'en avais parlé dans mes vidéos que maintenant, au Real Madrid, il y a le préparateur physique de l'équipe de France. C'est lui qui avait enfin préparé l'équipe de France à la Coupe du Monde 2018. Il avait été transféré en 2019 du côté du Real Madrid. Je vous avais dit hein, qu'il avait fait quelques déclarations en fait, qu'il préparait cette équipe du Real Madrid comme si elle allait disputer une Coupe du Monde, c'est-à-dire des matchs tous les 3 jours. C'est ce qui se passe actuellement. Et on peut voir que depuis que ça a repris, le Real Madrid, les gars, ça encaisse très peu de buts. Et c'est efficace devant. Et surtout, ça arrive à tenir tout le match. Hein. C'est eux à chaque fois qu'ils sortent le mieux, on peut dire, voilà, le mieux en forme à la fin des rencontres. Donc pour moi, c'est quand même le Real Madrid qui en sort mieux, bien sûr, de cette coupure. Hein, parce que j'ai regardé les gars, le match du FC Barcelone contre il y a quelques jours. Contre Bilbao. C'est trop moyen, c'est trop brouillon, on peut dire, le jeu du Barça. Alors que le Real Madrid, c'est vraiment un jeu net posé. Donc voilà, pour répondre à ta question, je dirais le Real Madrid. Ensuite, pour moi, ma deuxième question, est-ce que c'est le fin de cycle pour le FC Barcelone? Parce que là, voilà, on commence à voir, on a fait le tour quand même. Par rapport à l'effectif? Ouais, à l'effectif, puis même à le jeu, le jeu, tout ça, tout ce que propose le Barça. Est-ce que c'est un fin de cycle? Je pense qu'il faut renouveler beaucoup de choses du côté du Barça. Donc oui, un petit peu une fin de cycle, mais c'est pas, on va pas dire que c'est de cette année. Hein, ça fait déjà 2-3 ans qu'ils sont quand même plutôt sur la pente descendante. Hein, les Catalans, on se rappelle des échecs en Ligue des Champions, Liverpool, la Roma. Ça fait quand même 2-3 ans que c'est un peu plus compliqué pour le Barça. On n'a pas vraiment l'impression qu'il y a cette nouvelle génération qui arrive, alors que du côté du Real, eh ben, les coups qu'ils ont réalisés depuis quelques années sur le Mercato, ils sont plutôt très très intéressants. Exact. Et ils s'intègrent dans l'effectif parfaitement. Du côté du Barça, bon, il y a Ansu Fati, peut-être le petit Puig, mais niveau renouvellement, c'est pas terrible. Donc vraiment, je pense qu'il faut changer beaucoup de choses quand même du côté du Barça pour redevenir vraiment un géant d'Europe dans les prochaines années. Et on va terminer avec ma dernière question donc sur ce sujet, c'est est-ce que le Real Madrid s'apprête à de nouveau régner sur l'Europe dans les prochaines années, un futur peut-être merveilleux pour les Madrilènes dans les prochaines années. Donc tu parles Europe ou qu'en Espagne?
tout, global. Tout. Donc déjà en Espagne, là, ils sont quand même bien partis, hein, parce que pour moi, c'est eux qui ont quand même l'avantage de gagner cette Liga. Et l'Europe, il va falloir voir, rien que déjà pour cette saison, voilà, avec ce match retour du côté de City. Mais vraiment pour l'avenir, il y a vraiment des joueurs qui sont en train de percer, hein, côté Real Madrid. Vinicius Junior qui commence à avoir de plus en plus de temps de jeu, qui commence à être souvent titulaire. Puis il est très bon aussi, Vinicius Junior. Puis il y a vraiment les joueurs, les pépites qui confirment aussi, je pense à Valverde, Eder Militao, tout ça les gars, dans le futur. Ça va être très costaud pour l'équipe du Real Madrid. Et bien sûr, le Real, les gars, ça va dominer l'Europe. Hein. Ça domine déjà l'Europe depuis pas mal d'années. Ils ont déjà remporté 13 LDC. Et c'est toujours une équipe, hein, qui veut à chaque fois tout gagner, les trophées possibles. Donc voilà, les gars, ce qu'on pouvait dire, hein, sur ce débat. On peut dire voilà, Barça, Real Madrid. Maintenant, on passe au deuxième sujet, les gars. On va parler du Paris Saint-Germain. Donc on va parler de la fin de saison du PSG. Et voilà, niveau recrutement. Donc c'est parti, pose-moi ta première question. Sur la fin de saison, c'est sur évidemment la Ligue des Champions. Est-ce que toi, tu penses que c'est un gros coup dur, ou un coup dur tout simplement, la non-présence de Cavani pour la suite de la Ligue des Champions? Donc un petit rappel, hein, Edinson Cavani, les gars, à la fin de son contrat, ça en a exactement 5 jours. Et en fait, le PSG lui a proposé de prolonger son contrat jusqu'au 31 août, hein, jusqu'à la fin de la Ligue des Champions, bah, pour que Cavani puisse jouer avec le Paris Saint-Germain. Donc l'Uruguayen a refusé. Voilà, il ne veut pas tout simplement jouer avec le PSG, comme ça il va pouvoir directement retrouver un nouveau club. Bien sûr, c'est un coup dur. Donc tu me dis, c'est un coup dur. Oui, c'est un coup dur quand même pour le PSG, parce que par exemple, Icardi se blesse. Voilà, il n'y a plus du tout de numéro 9. Parce que je ne sais pas s'ils peuvent recruter le PSG, je ne pense pas. Ils ne peuvent pas l'inclure dans la liste de la Ligue. Voilà, donc mais exactement. Donc bien sûr, c'est un coup dur, en espérant qu'il n'y aura pas de blessés. Et voilà, c'est vrai que c'est compliqué pour le PSG. On verra ce que ça va donner. Mais ouais, il faut avouer que c'est un coup dur. Ensuite, c'est moi qui vais te poser ma question. Quels sont les postes à recruter pour le PSG pour la future saison? Déjà, numéro 9, je pense que ça sera important. C'est dommage de ne pas avoir conservé Cavani, parce que tu l'avais sous la main. Donc bon, je pense qu'il faudra en trouver un. Moi, personnellement, je pense qu'il faut encore un milieu, un numéro 6. L'arrivée de Gueye, c'est bien, mais j'aimerais encore un joueur un peu plus costaud, un peu plus physique. Pourquoi pas une tour d'un mètre 90 au milieu de terrain. Dombélé, même s'il est un peu plus petit, mais par exemple, il est costaud. Ouais, je trouve que ça, c'est un profil qui peut manquer au Paris Saint-Germain, niveau physique au milieu de terrain. Puis après, on l'a bien compris, avec les départs au niveau de la défense. Alors bon, défense centrale, je suis pas sûr que ça soit vraiment une obligation, mais plutôt sur les latéraux, parce que bon, au central, il y a quand même Marquinhos qui est encore présent. Bon, Kimpembe, il peut aussi servir, mais plutôt latéral. Et puis donc cette colonne au milieu de terrain, un 6 et puis un numéro 9. On continue avec ma question. Est-ce qu'on se dirige vers un nouveau cycle du côté du Paris Saint-Germain? Parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de mouvements, hein, de ce qu'on a compris depuis quelques semaines. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui vont quitter le club. On a parlé de Cavani, Thiago Silva, hein, deux joueurs quand même, ça fait quand même plus de 6 ans quand même qu'ils sont là du côté du PSG. Kurzawa aussi qui devrait quitter le club, Meunier aussi. Donc je pense que c'est un nouveau cycle. Et tu as parlé juste d'avant, la question, je t'ai demandé qui il fallait recruter. Et c'est vrai que tous les postes que tu m'as dit, et voilà, ça va faire du bien, ça va être un renouvellement pour l'effectif du PSG, en espérant que le PSG atteigne son objectif final, hein, bien sûr, remporter la Ligue des Champions dans le futur. C'est vraiment l'objectif numéro 1 du club. Pourquoi pas cette année, hein, vu que cette année c'est avec des matchs simples, ça peut être bénéfique pour le Paris Saint-Germain. Donc je pense, hein, quand même, ça va être un nouveau cycle, en espérant que ce cycle soit avec bien sûr Mbappé et Neymar, hein, deux des meilleurs joueurs actuellement de la planète. Et pour finir, dernière question sur le Paris Saint-Germain, est-ce qu'il faut garder ou remplacer Thomas Tuchel pour la prochaine saison? Déjà, une chose est sûre, c'est qu'il sera là l'année prochaine, hein, ça a été annoncé par Leonardo. Moi, je suis assez déçu de ce qu'il a fait avec le Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel. Des fois, les choix tactiques en Ligue des Champions, il n'a pas trop su aussi, je trouve, gérer son vestiaire. Des fois, des petits coups de sang un peu de Neymar. Après, voilà, il sera jugé sur la Ligue des Champions. Et puis, que ça passe ou ça passe pas cette année, il sera encore là l'année prochaine. Par contre, dans un an, s'il n'y a pas de Ligue des Champions, je pense qu'encore une fois, il y aura un nouveau changement, comme Emery, on lui a laissé 2 ou 3 ans, je crois. C'est ça, c'est ça. Et ça sera pareil pour Tourelle, hein, ça fait quand même plus de 2 ans et demi maintenant. S'il n'y a pas de Ligue des Champions dans un an, ça sera à nouveau un départ. Et même s'il y a une Ligue des Champions, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment avec Leonardo un coéquipier de travail. Je pense que Leonardo aimerait certainement un autre profil, mais en tout cas, je pense encore au moins un an de Tourelle avec le Paris Saint-Germain. Ok, on va terminer avec le troisième sujet. Un joueur qui est très bon actuellement, les gars. Donc c'est Karim Benzema. Donc je vais commencer avec ma première question. Donc actuellement, est-ce que c'est le meilleur? Non, c'est pas actuellement, c'est sur les 10 dernières années. Donc est-ce que c'est le meilleur numéro 9 français de la dernière décennie?
Ouais, ça, je pense que oui, hein, les chiffres parlent pour lui, la longévité qu'il a dans un club qu'on peut qualifier de meilleur club, de meilleur club du monde, meilleur club de l'histoire du football, 10 ans qu'il est là, 11 ans qu'il est là-bas. On rappelle aussi cette chose assez folle, hein, tous les attaquants qui sont venus au Real Madrid, ils ont tous terminé sur le banc ou alors ils sont plus au club parce que tout simplement Benzema les a fait vulgairement dégager, on va dire. Donc c'est quand même assez hallucinant cette longévité du côté du Real. Je ne vois pas sur les 10 dernières années quel attaquant français peut s'asseoir à la table de Karim Benzema. Sincèrement, je n'en vois aucun de numéro 9 qui a réussi ce qu'a fait Benzema depuis 10 ans, cette régularité avec le Real. Exactement. On continue donc avec ma question. Est-ce que, question encore une fois, qu'on parle depuis déjà de nombreuses années, est-ce qu'un retour en équipe de France est possible? Donc vous savez c'est qui les gars, le sélectionneur, c'est vrai que j'en ai parlé souvent, ça fait longtemps là, quand j'avais pas parlé, mais il y a 2-3 ans on en parlait souvent, bien sûr, voilà, c'est bien sûr Didier Deschamps, et Deschamps, voilà, il n'aime pas voilà, Karim Benzema, donc ça m'étonnerait voilà, que Benzema soit appelé par Deschamps pour le prochain Euro. Il faudrait absolument qu'il y ait un changement de sélectionneur. Je sais qu'un jour Zinedine Zidane voilà, sera sélectionneur de l'équipe de France, mais le problème c'est que Benzema, les gars, je crois il est de 87, donc il a 33, bien sûr, c'est 34 ans, il y a un moment voilà, t'es plus au top de ta forme, bien sûr. Donc je pense pas les gars qu'il va revenir en équipe de France, à part si Zidane prend l'équipe, voilà, l'équipe de France après la Coupe du Monde 2022. Pourquoi pas faire voilà, un comeback, voilà, un retour peut-être sur une saison. Mais actuellement, les gars, c'est quasiment mort. Hein. Voilà, Deschamps, il a ses choix. Il a son Giroud, il a peut-être Ben Yedder, voilà, tous ces joueurs-là. Et Benzema, on peut dire qu'il est exclu. Ensuite, est-il considéré comme une légende au Real Madrid, voilà, Karim Benzema? Ouais, je pense que oui. Hein. D'ailleurs, c'était cette semaine. C'est le cinquième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. C'est arrivé il y a quelques jours. Donc oui, je pense vraiment que c'est une légende parce qu'on en a parlé aussi il y a quelques instants, cette longévité. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des attaquants qui ont passé 11 ans quand même au Real Madrid. Absolument. Alors oui, il a subi quelques critiques, il y a eu des périodes un peu moins bien, mais bon, c'est normal hein, sur 11 ans, mais au final, c'est quand même 11 ans à Madrid, 5e meilleur buteur de l'histoire, 4 Ligues des Champions, c'est quand même un palmarès assez hallucinant, donc je pense vraiment que oui, c'est une légende pour le Real Madrid, pour tous les supporters madrilènes. Et on va terminer donc avec ma dernière question qui concerne donc l'avenir du Real Madrid et de Karim Benzema. Comme tu l'as dit, il a 33 ans, donc on est quand même plutôt proche de la fin peut-être pas de sa carrière, mais en tout cas de son aventure avec le Real Madrid. Qui pour le remplacer et quand? Donc déjà Benzema, je le vois encore faire peut-être une, deux saisons du côté du Real Madrid. Pourquoi pas un retour à Lyon? Je kifferais le revoir en Ligue 1, tu vois, peut-être une ou deux saisons du côté de l'OL, ce serait ouf. Et qui pour le remplacer? Donc ça va arriver très prochainement, parce que comme voilà, tu as dit, il a 32-33 ans, il y a un moment où voilà, il va falloir remplacer, surtout que le Real Madrid actuellement investit que sur des jeunes joueurs, hein, voilà, du Vinicius Junior, Rodrigo, Eder Militao, Reynier, Kubo, que des jeunes joueurs. Donc il y a bien un coup qui vont acheter un joueur voilà, de 20-21 ans. Je pense à Mbappé, je pense à Haaland, voilà, pour dire le remplacer. Et quand? Je pense que ça sera certainement pas cet été, parce qu'à cause du virus, les gars, c'est compliqué pour les équipes de mettre beaucoup d'argent, parce que maintenant, les jeunes joueurs prometteurs, voilà, surtout en attaque, ça coûte très très cher. Donc je pense plutôt, l'été prochain, il y aura un gros nom qui va arriver du côté du Real Madrid, et ça sera certainement le successeur de Benzema en numéro 9. Donc voilà, les gars, la fin de cette vidéo BR numéro 3. Donc comme d'habitude, on a pris toujours autant de plaisir à faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas, les gars, à like. Pourquoi pas, n'hésitez pas aussi à nous mettre des sujets en commentaire. Voilà, c'est un sujet plutôt pas mal, on pourra l'insérer pour le BR numéro 4. Ciao à tous. Ciao.